Maintenant, c'est avec Madame Hanna Bissaret, qui est activiste et pas forcément leader de la communauté musulmane ici à Bruxelles. Bonjour, salam alaikum. Moi, aujourd'hui, je vais parler de la femme palestinienne. Tu es à l'origine de notre espoir. Tu es notre défi contre la peur. Tu es la femme palestinienne. Tu nous enseignes l'histoire. Tu éduques une génération future. Tu luttes contre le désespoir. Tu milites pour nos valeurs. Tu es la femme palestinienne. Tu nous fais oublier les douleurs. Tu nous demandes de penser au jour meilleur. Tu nous encourages à se défendre. Tu es la femme palestinienne. Tu nous fais penser à la paix et pas à la guerre. Tu nous donnes des leçons de courage et d'espoir. Tu manifestes contre les occupants et les oppresseurs. Désolé. Tu es la femme palestinienne, tu crois toujours en l'avenir, tu défies le silence par ton sourire, tu nous cherches le bonheur, tu restes pour nous une mémoire, tu es la femme palestinienne. Malgré la fatigue, tu continueras, ta résistance contre les déchirures, car tu es l'ange de notre histoire. Tu restes dans nos cœurs, tu es la femme palestinienne. Plus tard, palestinienne. Merci. Tu nous apprends la tolérance et l'espoir. Tu possèdes un grand pouvoir. Tu luttes contre les murs. Dans un grand Palestine de grandeur, tu es la femme. Je t'offre une fleur plantée sur terre, la terre de nos ancêtres, la terre de nos souvenirs, la terre de notre femme. Vivre sous l'occupation, c'est l'humiliation à chaque instant de sa vie. Résister à l'occupation, c'est vivre libre. Merci.